You need a song to be by the. This is a melody of happiness. I sing joy for all the people when you want. Moi c'est Samuel, je fais de la guitare, de la basse et du trombone. Et je chante aussi. Moi c'est François, donc je fais la batterie, le glockenspiel et les chœurs. Vincent, chœur, basse, clavier. T'as ton CV là? Moi c'est Julien, je suis au chant, au clavier et à la guitare. D'accord. Oh, sing with me this melody. Sing do 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 do. Que Manso à la basse sont les compositions de Julien, c'est des morceaux qu'il avait composés chez lui à l'époque quand il habitait près des champs Manso à Rennes, donc c'est pour ça que ça explique le nom du groupe, comme ça tu vois tu peux pas nous poser cette question là. Et du coup avec Vincent et Sam ils ont réarrangé tout ça pour faire une formule plus groupe, parce que c'était des compos qui étaient plus folk acoustique à la base, et puis moi j'ai rejoint le groupe un peu plus tard. Et on a réarrangé tout ça pour la scène, pour avoir un truc un peu plus punchy en fait en live. Donc bah, l'EP est intervenu dans la phase de création avec Samuel et Vincent. Donc c'était au tout début en fait, du coup on a réenregistré des morceaux, on les a mis sur internet et en fait il y a un Parisien qui s'appelle Benoît Rau qui joue dans un projet qui s'appelle Ben Symphonic Orchestra, qui a écouté, qui est tombé sur les titres, qui les a trouvés chouettes et qui a décidé de les remixer. Donc du coup on est monté sur Paris, dans son studio, on a travaillé avec lui le mix des morceaux, et puis voilà. Et du coup voilà, on résulte l'EP, et puis peu de temps après ça, du coup on a décidé vraiment de porter les morceaux sur scène, et c'est là que François est arrivé pour voilà, nous aider à porter les morceaux sur scène, je me répète. Bon, on a plein de projets en fait, donc effectivement on a un projet d'album, mais ça passera peut-être plus avant par un EP, parce que là on a un certain nombre de titres qui sont prêts, qu'on a déjà maquettés, enfin plus que maquettés puisqu'on les a enregistrés en studio à Rennes, au passage à niveau, et puis des futures collaborations avec des gens qu'on aime beaucoup. Après, on peut peut-être pas trop en dire pour le moment, parce que c'est pas encore finalisé, donc on n'a pas encore la grosse exclue à sortir. Après, pour les lives, bah, on a pas mal de dates qui viennent, avec notamment le printemps de Bourges. En off, on va faire la Flèche d'Or à Paris. Ouais, le Scopitone, on joue au 106 à Rouen, donc il y a pas mal de dates qui arrivent. Mais c'est vrai que là, notre principale préoccupation, c'est vraiment l'album. Avec le choix de production, avec qui on va travailler, on est vraiment en train de se tourner là-dessus, quoi. Donc la scène, il y a pas mal de dates, et puis vraiment l'album aussi, quoi. À venir. En fait, on écoute beaucoup de choses. Alors, je sais pas si vous écoutez ce qu'on boucle. En boucle, c'est dur. Sur quoi on a flashé Bah aussi, enfin, je pense que l'album de c'est sorti il y a un petit bout de temps quand même, mais on est tous d'accord sur l'album de solo de Casablanca. Ouais. Des Strokes. Et notamment sur la production qui est super. Autrement, je sais pas. On écoute vachement de trucs, hein. Ça peut être de la soul, du folk, rock. Beaucoup de Prince en ce moment aussi. Des vieux Prince, ouais. Ouais. Controversie. De ouais. Prince. Un groupe qui s'appelle les Knives aussi. Knives. Ouais, on est en France. Ouais. Non, on est à l'Orient. Tu veux pas sortir, toi? Le dernier radio, quand même. My girl. Alors ça, tu couperas, par contre. Voilà, s'il te plaît. Non, tiens. Non. C'est lui qui le dit tout le temps, ça. C'est si, c'est vrai qu'on s'appelle tous par ma gueule. Ouais. Toi, ma gueule, viens ici. Et voilà. Et je suis pas un pari. I hear a whisper behind my bedroom door. It's expressly. C'est quoi la marque de ton pantalon? Zara. C'est plus personne d'autre, mais je veux dire. Donc,
les pâtes pré-cuites. Les pâtes pré-cuites. Merde. Les pâtes à rien. Les pâtes façon Julien. Façon Julien, ouais. Pour l'anecdote, j'ai reçu les gars un jour à manger, donc j'étais tout content d'avoir acheté des... Je sais pas si c'est intéressant, mais j'avais acheté des pâtes à gratin qui étaient censées gratiner sans rien dedans au four. Ils les ont mangées cuire avec la sauce, ouais. Et du coup, voilà, les pâtes étaient toutes sèches, donc du coup, assez immangeable, t'imagines. Séjour d'urgence. Ouais. Et sinon, Samuel fait des super bons cookies. Ah ouais. Moi, je fais des super muffins. Je connais pas la recette, là. Et Vincent adore la tarte au citron meringue. C'est vrai. Très bien. Ben voilà, je pense que c'est à peu près tout. Ben merci à toi. Merci. Le projet est né de composition que j'ai retrouvé. Et du coup, j'ai décidé de les réenregistrer. Ça va être très dur. Parce qu'on est... J'ai reposé la question. On a un petit peu à l'œil qui peut se racasser. Je peux y aller. Je peux mettre ma casquette et faire ta douleur. C'est trop bon. Non, mais... Vas-y, parle, je vais te faire. Et du coup, j'ai décidé de les réenregistrer, donc avec l'aide de Samuel, on les a mis sur Internet. Vincent a rejoint le type à côté. Alors, Manso, c'est d'abord le projet... Qu'est-ce que c'est, Manso? Après avoir bossé un an à trois, attends, je suis pas clair du tout. Tu veux que j'essaye ou... Ouais, et alors, moi j'ai confiance en François. Simplicité, efficacité. En fait, à la base, le projet, donc, c'est les compositions de Julien. Ah, t'as besoin. Vas-y. Bon. T'as de la carte mémoire en bas. Ouais, c'est le meilleur making of que j'ai à voir, je pense. Et puis, mon concert. Merci. Yes. Voilà. Je suis en train de réfléchir à la question que j'aurais pu te poser. Ça vient pas. Pourquoi t'as enlevé ton lacet? Parce qu'il me gênait.